Bonjour à tous, aujourd'hui une petite recette toute simple, chili omelette. Alors, chili omelette, il vous faut 150 g de viande hachée, un oignon, haricots rouges, sauce tomate, épices à chili et une petite cuillère à café de concentré de tomate. Ensuite, des œufs. Donc il en faut 4, donc ça sera pour 2 omelettes. Et 4 petites tostinettes comme ceci. Voilà. Donc je vais commencer. Je vous reprends tout de suite. Alors, il y a 2 poêles, une poêle pour préparer le chili et l'autre les omelettes. Donc maintenant, je vais commencer par mettre l'oignon. Voilà. Voilà. Un petit peu moins fort. L'oignon. Ensuite, je mets la viande. Ça y est, j'incorpore la viande. Ça va cuire, mais doucement, pas peine de saisir la viande un peu fort. Alors, on va laisser un petit peu revenir et ensuite je vais mettre les haricots, le concentré, les épices et la sauce. Très bien, j'incorpore maintenant les haricots rouges. Les épices. Le concentré de tomate, la sauce tomate, voilà, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On va laisser tout doucement cuire et ensuite je vais pouvoir passer à la cuisson des omelettes. Le chili est prêt. Alors, je vous fais voir parce que je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il finit de cuire. Pendant la finition de cuisson du chili, j'ai mis de l'huile dans une poêle qui doit normalement être bien chaude maintenant. J'ai battu 2 œufs pour la première omelette avec sel, poivre et on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait. Donc maintenant, je vais préparer la première omelette. Vraiment que ça soit bien bien chaud. Donc voilà, je vais la laisser cuire tranquillement. Ça va faire une petite omelette fine. Je vais ensuite la retourner et faire avec vous la suite de la recette. Voilà, la première face de l'omelette. J'espère que c'est pas toujours évident. Je vais
essayer de la retourner. Voilà, je la fais un petit peu glisser. J'aurais peut-être dû prendre une assiette, en fait. Hop, super. Donc voilà. Hop, je ne sais pas si on voit. J'ai retourné mon omelette. Je vais mettre une tocinette. Comme ceci. Voilà. Je laisse un petit peu cuire la deuxième face. Et ensuite, on continue. Alors, je vous montre le fromage a fondu. Maintenant, je vais mettre un petit peu de chili. Voilà. Alors, deuxième tostinette. Par-dessus. Voilà, voilà. Je laisse un tout petit peu fondre et ensuite je vais refermer l'omelette. C'est parfait. Donc maintenant, on la voit bien, je vais faire. Alors c'est toujours la partie légèrement délicate. Allez, on referme un petit peu. Et voilà. Voilà, je laisse encore un petit peu cuire et ensuite je dresse et je ferai la deuxième omelette tout de suite après. Alors les deux omelettes chili sont prêtes, donc je mets d'abord celle-ci évidemment avec ma petite présentation finale. Donc sur l'omelette chili par-dessus j'ai mis des oignons frits. Ensuite, pour celui qui le souhaite, jalapeño, une petite salade et un petit récipient avec du chili. Donc voilà. Donc la deuxième, je viens de la finir. Alors je voulais vous faire voir, là le fromage a bien fondu. Même chose, je vais mettre des oignons frits, une petite salade, du chili à part. Et voilà. Donc je vais... peut-être goûter un petit peu. Alors, est-ce que ça va être bon avec une cuillère? Voilà. Et je vais vous dire ce que ça dit. Rien à dire. Je vous conseille de faire cette petite recette qui est vraiment rapide, délicieuse, avec une petite salade. Ça passe très très bien. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis peut-être à demain avec une autre recette. Portez-vous bien. À bientôt les loulous.